Une longue lettre hier, 44 pages, avec 10 annexes. Donc c'est clair qu'en hier, aujourd'hui, nous allons vous commenter en détail sur ce que le commissaire électoral fait répondre. Moi, seulement faire retenir quelques points qui d'intérêt pour la nation. Première affaire, le big win, c'est que le commissaire électoral fait d'accord qu'il n'a plus pour énorme computer room. Il met les noirs sur blanc, et il finit déjà dit à peu près verbalement, mais aujourd'hui, il vient de mettre noir sur blanc, qui, vu la controverse, il n'est pas pour mettre aucun computer room maintenant dans jour counting. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est à la page 42 de ce lettre. Et je veux dire aussi qu'il y a une affaire dont le PMSD finit bien en faveur, c'est-à-dire maintenir le registre électoral ouvert toute l'année, maintenir le registre électoral ouvert toute l'année et maintenir-le ouvert jusqu'à 2 semaines avant la date des élections, que ce soit municipale, que ce soit générale. Et là, le commissaire électoral, plus précisément, fait d'accord avec l'idée qui est bon pour garder le registre électoral ouvert, parce qu'il nous déclare que du monde a envie d'enregistrer principalement, quand je t'en dis, et non élection. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.